pas avoir toutes les cartes Pokémon, mais juste compléter le Pokédex en fait. Ou c'est une bonne idée. J'ai envie de le faire aussi, tu vois. Genre, j'ai un seul classeur Pokémon et je mets toutes les cartes une par une. Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Carapuce. Peu importe la série. Peu importe la série de la carte. Je trouve ça vachement sympa à faire aussi. Peut-être plus chiant à ranger, parce qu'il faut bien connaître. Et est-ce que j'ai envie de faire le Shiny Dex aussi ou pas? Voilà quoi. Mais après, les cartes Shiny viennent, elles sortent uniquement actuellement, tu vois. Tu vois jamais, je pense pas qu'on puisse trouver des certaines cartes en Shiny. Quoi. Pokémon, faut cibler ce que tu veux parce que c'est impossible de tout avoir. Bah oui, impossible. Déjà que Yu-Gi-Oh c'est très compliqué, alors Pokémon c'est encore pire vu tout ce qui sort. Quoi. Allez, Reptincel coupe, hein, on va enlever Griff. Ouais. Et du coup, faut que je me trouve un classeur spécial carte Pokémon parce que là. Les trucs que j'ai, les intercalaires là, elles sont vraiment uniquement pour les cartes Yu-Gi-Oh. Les cartes Pokémon ne rentrent pas dedans, elles sont trop grosses. Faudrait que j'aille des intercalaires spéciales Pokémon. Mais à fond, que tout essayer d'avoir. Aussi, faut voir selon le set si ça te plaît. Là par exemple, le dernier set qui est sorti, là, le set avec... Suicune ancien là et Viridium du futur. Je le trouve bibof. C'est pour ça qu'il me l'autre fois il me proposait là justement au magasin soit flamme obsidienne soit celui-là. J'ai préféré prendre flamme obsidienne parce que je sais que t'en as un peu toi, que tu m'en as filé, bon, j'en ai déjà quelques-unes. Et en plus, si jamais j'ai une carte que j'ai déjà et que toi t'as pas. On peut équilibrer. Parce que moi, les cartes Pokémon, je m'en fous. Hein. Je veux qu'une seule carte de chaque. Je veux pas créer un full set de 3 cartes de chaque ou de 2 cartes de chaque. Tu vois. Je suis pas en mode... Je suis vraiment là pour avoir la carte unique. Je m'en fous. Putain, le Pikachu relou. Et reflet tout le temps. Pas trop faite par les gens, parce que 151 sortait juste après. Que les gens économisaient. Ouais, plus tard... les cartes vont prendre un peu de valeur, quoi. Pour ça, là, du coup, on a un set flamme obsidienne à ouvrir lundi prochain. On a les cartes du demi-centenaire, là, du quart de siècle à ouvrir. Yu-Gi-Oh! Et on a tes cartes à trier. Et il va falloir faire ça en un après-midi. Du coup, on verra si Ryan arrive tout de suite ou pas. S'il n'arrive pas tout de suite, on regardera ce que t'as eu en brocante. Et s'il est là direct, ben on ouvre les cartes direct. Alors, il faut avoir la chance. Et merde.
Je re... Ok. C'est vraiment au hasard. En fait, le bouton, il est toujours à côté. Bah là, il est forcément au-dessus, du coup. Même pas. Ça se trouve, il fallait retourner en arrière. Faut avoir de la chance que le bouton soit juste à côté, là où on va. Il est forcément à côté, mais à côté où, ça, on nous dit pas. Et si c'est un des trucs au milieu, c'est encore pire, parce que ça peut être... au-dessus, en dessous... Voilà. Donc là, c'est soit celui-là, soit celui-là. Et c'était l'autre. Ah ah ah. Sachant que la vérification de celui d'avant ne compte pas, quoi. Là, par exemple, ça dit non, il y a juste une poubelle ici. Si celui-là, ça dit ah, oh, un bouton, il peut très bien y avoir un autre bouton ici, quoi. Ah, voilà. Ouh. Bon. Major Bob, ça va être une simple formalité. Parce que Gravalange va régler le problème. Bon. Captain Cell va régler le problème tout seul. Ça m'étonnerait. Ah. Étiquage éclair. Est-ce qu'il va faire replay après? Bon, onde de choc. Et là, il fait reflet. Ça va être folklore tout ça. Va toucher le Raichu alors que t'es paralysé et que t'as... Et qu'il a reflet au maximum. Va falloir vraiment beaucoup de chance. Dans tous les cas, il pourra pas toucher mon Gravalanche. Ce qui fait que ça va être un combat d'autiste. C'est ça. 3 PV, 3 PV, il va me faire. Oh, il touche. Ah bah, là. Là, ça aurait été un vrai combat de rien du tout, quoi. S'il le loupait à chaque fois. Gros caillou.
Gros caillou. Gros caillou à bien gérer. Je réponds au message. Et heureux. Je fais mon montage pour demain en même temps. Toujours les lapins crétins. Alors, on va aller voir si je peux pas avoir... Attendez, je vais acheter des repousses. Hop, quelques super potions. Niveau Pokéball, j'en ai 15, on est bien. De toute façon, je vais pas en acheter parce qu'on va bientôt avoir les Super Balls. Ah, et je peux mettre le troisième badge. Alors, cave Topiqueur. On va juste rencontrer un Topiqueur pour le choper. Et dire que les gens faisaient déjà une blague sur que ça ressemble à une bite, tu vois, qu'ils ont fait Topico après. Et merde, je l'ai mis KO. Que coupe, ça va pas le mettre KO. J'ai trop d'espoir. Ouais, Gravalanche, ça devrait le faire. Si je fais jet de pierre, c'est pas très efficace. Ah mais j'ai charge. Ça devrait aller. Je suis désolé. Putain. Même charge, ça le fout KO. Je suis désolé si vous entendez un sifflement, hein, c'est la machine à laver. Je vais même aller fermer la porte parce que pour moi c'est assez désagréable.
je m'en veux tellement pour ma lapine, quoi. Il lui reste 28 minutes et après le truc va partir au séchage. Ouh! Aïe. Yay. Normalement, là, on devrait avoir Machoke bientôt. Je crois qu'on peut la voir dans la grotte. Où il faut utiliser Flash. Mais je suis pas sûr. Sinon, où est-ce qu'on le trouve, Machoke? On le trouve sur l'île 1. Merde, il a piège. Ampleur, ça doit toucher normalement. Ampleur 10 et il est sous terre. Ça fait l'équivalent de ampleur 20 quand il est sous terre parce que ça multiplie par 2. Le truc il existe même pas quoi. Tellement c'est puissant. Combien il fait de dégâts avec tunnel. Ça va. J'ai combien dans mon Pokédex là? 16. Je crois qu'il m'en faut 20 pour pour avoir Flash. Je sais plus si c'est 15 ou 20. Mais s'il m'en faut 20, je suis dans le caracara. Après 16, il me suffit juste de faire évoluer Spico et Chenipan. Comme ça fait 4 Pokémon en plus. Pokémon, c'est bon. Par contre, Flash. Je sais que Kadabra peut la prendre, mais je préfère rééviter, quoi. Aïe. Aïe, je vais aller récupérer l'ambre, tiens, aussi, tant j'y suis. Comme ça, je pourrais avoir Ptera dans le Pokédex. Thank you.
Je crois que chez Tiflor il peut apprendre. On va se faire un petit aussi peut-être d'ailleurs. Faut que je regarde. Sinon après je peux choper peut-être un soporifique. J'ai dit pleure peu. Il va falloir que je les fasse évoluer par contre ces Pokémon parce que... Si je veux le chercher, le multi XP à la fin pour mini Draco, va falloir entraîner tout ça. Pour ça, je pense en off après le, pas après le stream, mais pendant, pendant mes vacances, je pourrais peut-être transférer la sauvegarde sur mon PC portable et puis voilà. Je vais soigner les Pokémon ici parce que si je perds un combat là-bas, ça va me renvoyer à Argentin. Toujours étincelle en premier, ouais. Le rush fini, plus qu'à attendre avant de poster. Tu sais que moi, il y a un truc que j'avais totalement oublié. Le dernier tournoi Naruto qu'on a fait, j'ai encore les rushs. Je les ai toujours pas fait le montage. Je les ai totalement oubliés. Faut que je les fasse. Et je les ai totalement oubliés à cause de mon PC portable sur lequel j'avais renversé de l'eau. Parce que je ne pouvais plus faire de montage dessus parce que le PC n'arrivait plus à faire tourner le logiciel de montage. Et que j'avais dû ressortir mon ancien PC et que mon ancien PC, quand je faisais des montages dessus, bah... Si je découpe de trop à certains endroits, il crache. C'est pour ça que je faisais plus de découpe au bout d'un moment, et sur bah, le temps d'un Naruto, je fais beaucoup trop de découpe pour qu'ils tiennent.
Mais là, il faudrait, quoi. Qu'on puisse retourner dessus, quoi, quand même. C'est quand même un énorme tournoi. Hein. Bah tiens, je le ferai après le stream. Parce qu'on en est encore aux phases éliminatoires, quand même. C'était avant que ça aurait été bien de l'avoir, ça. Et là qui voilà, inspecteur gadget. Empereur Christophe. Oh, Paninos avec intimidation. Iroulou. Ah. Ça y est. J'ai la touche 1 qui est morte, elle est dans le vide. Du coup, quand je fais ça... Ah putain! Sans les mains! Touche B. Parce que là, la touche A, elle est morte. Elle est totalement morte. Elle est dans le vide. Je vais vous appuyer, ça fait rien. Waouh! C'est resté appuyé. Alors attendez. Pose la manette. Je crois qu'elle réagit toute seule. Non. Juste bouger un petit peu la manette, ça l'a fait... Et je la tiens avec le fil. Non. Sachant que c'est la manette pour jouer à Fortnite, par contre ça va être compliqué, il faut que je me rachète une manette. Oh non, remarquez, on joue plus à Fortnite, je m'en fous. On parle les couilles.
On va battre ce mec là et puis je vais aller chercher ma manette Switch. J'avais la flemme de la ramener ici, mais... Mais non ! Putain, la moindre vibration, ça le... Ça fait appuyer sur A. Je dois taper sur la manette, ça appuie sur A. C'est un nouveau genre de touche, hein. La touche tam tam. Non, mais ça fait un moment en fait que cette manette elle est bousillée. La touche A en fait, elle est pas bloquée. Elle est dans le vide en fait. Elle est juste dans le vide. Je peux plus sauvegarder ? J'ai l'impression que je donne une fessée à un enfant. Attendez, je reviens, je vais chercher l'autre manette du coup. Salut Nested! Désolé, je suis en train de m'amuser avec une manette totalement bousillée, je reviens. Je vais chercher une manette, je reviens. La manette. Funk me, darling. J'espère juste que... C'est bon. J'avais peur de devoir redémarrer le jeu. Ah putain. Ça ira dans les... Ça ira sur TikTok et l'équipe. La manette contrôlée par la pensée. Du coup, comment vas-tu, Nested? Si ça blette là. Pour la prochaine fois, je pense que j'aurais fait évoluer tous les Pokémon. Clairement. Ah, je préfère largement cette manette-là. L'autre, je l'avais prise uniquement parce que j'avais la flemme d'aller chercher cette manette-là. Elle aura fait son temps. Je me demande sur Amazon pour combien je peux avoir une manette PC.
que je sais qu'en magasin, c'est généralement entre 60 et 80 balles. Après, la manette Switch, elle fonctionne extrêmement bien, donc il n'y a pas besoin... Elle fonctionne extrêmement bien, non. Elle a quand même ses limites, hein, Elle avait déjà quelques bugs sur Switch, alors elle pourra avoir des bugs ici, mais bon. C'est une ROM, exactement. Elle aime les fessées en tout cas. Ah mais ça c'est l'autre manette, pas la manette Switch. La manette Switch, je l'ai déjà assez balancée comme ça contre le mur. Pas au sol. Tu vas faire comment pour les échanges? J'ai mis un mode pour faire en sorte que les Pokémon qui évoluent par échange évoluent au final au niveau 40. Tout simplement. Comme ça, tous les Pokémon qui évoluent par échange ou en tenant un objet, maintenant ils évoluent soit niveau 40, soit niveau 50, même niveau 38, enfin voilà. C'est devenu une évolution normale. Quoi. Et je crois que pour les Pokémon qui évoluent avec une pierre, c'est à peu près pareil. En fait, pour les Pokémon qui évoluent avec une pierre, c'est soit on leur donne la pierre tout de suite, soit ils évoluent au bout d'un moment. Sauf pour Evoli qui n'a pas vraiment le choix. Ou il évolue au hasard, lui, je sais pas. Les manettes PC à 20 balles, je me méfie. Ça doit pas être de bonnes manettes. Je pense que c'est des manettes PS4, mais qui ressemblent pas à des manettes PS4, quoi. Des magnétiques Xbox qu'il faut tout simplement en arrière pour le PC. Manette Turtle Beach. Ils font des manettes Turtle Beach hein. J'y oui, c'est le cas. Il leur reste plus que des manettes violettes, rouges et vertes. J'en voulais une argentée, moi.
Le gars qui fait son difficile. Non mais elles ont l'air sympas. Comme USB, ouais, USB-C, très bien. Ouais, tiens, longueur du câble. 2,5 mètres, c'est parfait. Bonne réactivité, ouais, normal. Bon, au moins ça, qu'il n'y ait pas de latence, quoi. Je serais con de jouer avec une manette et qu'il y ait de la latence. Moi j'ai toujours préféré les manettes PlayStation aux manettes Xbox, mais bon, sur PC il n'y a que ça qui fonctionne. Donc, ouais, bah écoutez, je verrai ça le mois prochain, mais je vais me la mettre en favori. Je sais pas non plus où... En mode obligation d'acheter une manette, quoi. Bon, les impôts, c'est fait. J'ai même pas vérifié, moi. Vu qu'ils me prélèvent à la source, ça se trouve, ils ont prélevé plus que la normale. Et je me fais niquer. Vérifie, t'as jusqu'au 6 juin pour déclarer les trucs 2023. Moi, déclarer, quand tu fais pas, ça se déclare automatiquement tout seul, ça valide, quoi. Ça veut dire que t'as validé et que tu t'en fous. Mais moi, en fait, ils pourraient me prendre plus, quoi. Vu que c'est prélevé à la source, ils peuvent pas me prendre moins, mais ils peuvent prendre plus. Après, j'ai pas eu l'impression d'être perdant. Donc bon.